Voilà. Donc, alors là, on est maintenant dans une Mini, hein, qui est équipée d'un système donc particulier, qui est le système BM, c'est ça, Israël ? Alors, pas tout à fait. Non, pas chez tout à Mini, fait. En fait, on est sur un système All 4. D'accord. Donc, c'est le système vraiment particulier de chez Mini. Vous n'êtes pas attaché. Il faut quand même attacher, même si on est sur de la neige. Effectivement. Et que tout va bien. La peinture se... Ok. Donc effectivement, on est sur un système 4 roues motrices, donc spécifique à Mini, donc qui est le All 4. Donc un système par contre géré donc de manière électronique, comme le système BMW X-Drive. Donc qui utilise différents capteurs, qui sont des capteurs de vitesse de roue, capteurs d'angle volant, capteurs position pédale de l'accélérateur et capteurs de G. Grâce à tous ces capteurs, le véhicule en fait va répartir la force motrice du moteur. Oui, et on sent que ça ne dégage pas différente. Du tout, ça reste stable. Exactement. On le voit bien à l'image d'ailleurs. Donc dans des conditions classiques comme sur de l'asphalte par exemple, vous allez avoir une répartition du couple jusqu'à 50% sur le train arrière. Et dans des conditions extrêmes, comme par exemple à l'heure actuelle donc sur de la neige et de la glace, oui, vous allez avoir jusqu'à 100%. Attention, doucement. Attention. Ouais. Première. Donc vous allez avoir jusqu'à 100% du couple restant qui pourra passer donc sur le train arrière. D'accord. Vous avez un vrai 4x4 permanent et intelligent, donc qui est géré électroniquement tous les 1/8 de tour de roue. Voilà, les capteurs de roue sont calibrés tous les 1/8 de tour de roue. On peut remonter sur le rond avec ou pas? On peut remonter sur le rond avec ça? La superstation? Ouais, tout à l'heure on pourra remonter sans problème. D'accord. C'est pour la voir dans la... Voilà. Dans la montée. La montée, bah c'est ça. Là c'est très stable et on est sur une quand même qui a fait vert glacé. Effectivement, vert glacé et enneigé, donc vous pouvez remarquer que vous gardez votre pouvoir directionnel sans aucun souci. Tout à fait, oui, c'est très stable. Ouais. Ouais, et vous ressentez surtout aucun patinage au niveau des roues. Ça c'est aussi très important par rapport à un 4 roues motrices. On le voit à la caméra, c'est vraiment très... C'est assez flagrant. Attention, la poudreuse par contre sur le côté. Faire attention. Ouais. Quand les pistes sont pas damées. Sur une Mini, sur un Countryman, on a une hauteur de caisse qui est assez importante. Oui. Voilà, qui est légèrement surélevée, donc on peut quand même s'aventurer dans un petit peu de poudreuse sans aucun souci. On n'est pas obligé de rester sur de la neige complètement damée comme on peut l'apercevoir devant nous. Et là, on voit que les conduites, ça ne bouge pas d'un poil. C'est vrai que c'est vraiment nickel de ce côté-là. Vraiment nickel. Voilà. Ça vous va ? Impeccable. Ça va ?